C'était une journée difficile pour la famille et les proches de Lina. Le vendredi 25 octobre, ses funérailles ont eu lieu. Lina avait disparu en septembre 2023 et son corps a été retrouvé sans vie le 16 octobre dans la Nièvre. Plus de 400 personnes, la moitié des habitants de sa petite commune de Plaine, étaient présentes. Son petit ami Tao, chez qui elle se rendait le jour de sa disparition, a pris la parole lors de la cérémonie, malgré avoir été brièvement suspecté et harcelé en ligne. Il a partagé des mots émouvants. « Je te laisse à jamais un morceau de mon cœur, toi qui as su m'offrir un morceau du tien. » Les amis de Lina ont également pris la parole pour la décrire comme passionnée, tenace, aventurière et téméraire.